Merci, Monsieur Sansu. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, cher Hugues, après l'échec de la commission mixte paritaire le 22 mai dernier, nous entamons ce matin l'examen en seconde lecture du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. Cet échec était malheureusement prévisible, tant les textes adoptés par le Sénat et l'Assemblée nationale divergeaient sur des points essentiels de la réforme présentée par le gouvernement. Le mode de scrutin pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le découpage des circonscriptions d'élection et le nom même de l'Assemblée. Derrière ces divergences se cachait un désaccord de fond sur la place et sur le rôle à attribuer à l'Assemblée des Français de l'étranger dès lors qu'était actée la création des conseils consulaires, institution nouvelle et centrale dans le dispositif de représentation. Fallait-il maintenir l'AFE ? Fallait-il en recentrer l'action et le champ d'intervention ? Fallait-il prendre appui sur le travail de terrain de ses membres ? Ou bien au contraire, s'en défier ? Dans ce débat, pour des raisons que j'ai développées en première lecture, je me suis exprimé en faveur de l'AFE. Je crois à la pertinence de cet échelon pour confronter l'expérience locale dans un processus délibératif. Les conseils consulaires n'auront de valeur ajoutée pour l'action publique que si certains de leurs membres siègent aussi à l'AFE et partagent ainsi, dans un cadre géographique par définition plus large, leur retour de terrain. Les conseils consulaires, comme les élus consulaires, ne peuvent être à ce point autonomisés qu'ils ne se connaîtraient pas et ne mutualiseraient rien. Pour que les élus consulaires fassent œuvre utile, il faut qu'ils échangent de pays à pays, de continent à continent. Et pour prendre un exemple brûlant, c'est parce que l'AFE existera que l'engagement, les remarques, les suggestions, voire les oppositions des conseils consulaires dans le nouveau cadre des bourses scolaires seront utiles pour l'action collective. Je suis heureux, Monsieur le rapporteur, que vous nous ayez fait état d'une base de compromis avec le Sénat qui conduirait à élire un total de 90 conseillers consulaires à l'AFE au suffrage universel indirect dans le cadre de 15 circonscriptions découpées à l'échelle mondiale. Le suffrage universel indirect, retenu par l'Assemblée nationale, s'est imposé au nom de la simplicité comme du respect des principes de pluralisme, de liberté de candidature et d'égalité d'accès au mandat électif. Le découpage électoral au plus près du terrain, voulu par le Sénat, revient et permettra de donner une légitimité régionale à l'action locale des conseillers à l'AFE. J'avais plaidé cette cause en première lecture et je ne peux donc que me féliciter que le bon sens ait finalement prévalu. L'on peut ou non apprécier la pertinence du découpage proposé, je le conçois. Reste que le progrès est réel, et a fortiori lorsque le nom d'Assemblée des Français de l'étranger est sauvegardé aussi. Je me tourne vers vous, Madame la Ministre, pour vous dire qu'une vive responsabilité vous incombe désormais. À supposer que les termes du compromis présenté par notre rapporteur recueillent bien sûr l'assentiment des deux chambres. Cette responsabilité, c'est de fixer dans le décret les détails de la vie de ce nouveau cadre institutionnel. Le pouvoir réglementaire, c'est vous, ce n'est pas nous. Or, tant reste encore à faire. Tant reste encore à faire pour que vive cette réforme que vous portez depuis des mois et pour que nos compatriotes y adhèrent. Rien n'est encore acquis. Permettrez-vous que les conseillers à l'AFE puissent se rendre aux réunions des conseils consulaires de leur circonscription d'élection ? Consentirez-vous à ce que le cadre indemnitaire, légitimement contraint, leur donne cependant les moyens nécessaires d'exercice de leur mission ? Je vous sais à l'écoute et pragmatique. Je ne doute pas que vous aurez à cœur, sur ces sujets, de consulter les parlementaires que nous sommes, mais plus encore les associations reconnues d'utilité publique dont la loi consacre le rôle en matière civique et de participation, et puis bien sûr les conseillers à l'AFE lors de leur prochaine session au mois de septembre prochain. J'étais sorti du débat de première lecture avec des interrogations. Cet exercice de seconde lecture me convainc davantage, même si des questions demeurent, et c'est à dessein que j'en viens de lister quelques-unes.
Je reste persuadé, à l'image finalement, des vertus bicaméristes qui nous permettent ce matin d'examiner un projet de compromis, qu'il est possible de conclure cette procédure législative difficile par un texte qui s'inscrive pour longtemps comme un progrès de représentation et d'efficacité dans l'action publique pour les Français de l'étranger, compatriotes proches ou lointains, auxquels nous nous devons, parce que la promesse de la République ne connaît aucune frontière lorsque l'on est, comme nous tous, des Français du monde. Merci, Monsieur Lefebvre.